Avec Esprit Japon, redécouvrez le Japon d'un point de vue international. Aujourd'hui, nous allons parcourir les sentiers de Hyogo jusqu'au château de Himeji. Avec ses cerisiers en fleurs, il fut le premier site japonais à être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce bâtiment a été surnommé le château miraculé. En découvrant les secrets de sa restauration à l'aide de nombreuses techniques purement japonaises, il sera facile de comprendre pourquoi. Ensuite, offrons-nous un moment de détente dans les thermes historiques d'Arima, très célèbres au Japon. Minasan konnichiwa. Esprit Japon, navigateur no Shinkawa Yua desu. 今回の特集はエスプリボヤージュ。兵庫県が誇る2つの日本一を巡りながら日本の春を満喫する。そんなちょっと贅沢な旅をご紹介します。Chacune des régions de l'archipel japonais recèle d'innombrables trésors pour qui cherche un peu. Dans ce numéro, amusons-nous à voyager dans le peu, à la recherche des premières au Japon. La destination ? Hyogo. Ce département compte en effet deux sites qui ont constitué une première au Japon dans leur domaine. Esprit Voyage envoie donc son reporter de choc, Erina, pour découvrir en quoi ces sites sont exceptionnels. À 15 minutes à pied de la gare de Himeji, Erina se retrouve face à de grandes portes. À l'intérieur, de nombreux touristes prennent des photos. Au bout de leur objectif, le château de Himeji, trésor national du Japon. En 1993, ce château a été le premier site japonais à être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, en même temps que le temple Horyu à Nara. Sa blancheur éblouissante donne l'impression qu'il vient d'être construit. Voici une photo du château prise il y a 7 ans. Il suffit de comparer avec la couleur qu'il a aujourd'hui. Ce résultat époustouflant est le fruit de grands travaux de restauration des murs et de la toiture qui ont eu lieu entre 2009 et 2015. Le matériau qui a été privilégié ici fut celui traditionnellement utilisé pour recouvrir les murs des greniers japonais, le plâtre. Pour le protéger du feu, le château en a été recouvert dès sa construction. En plus de sa propriété ignifuge, le plâtre donne sa blancheur immaculée au château de Himeji. Celui-ci a ainsi recouvré l'apparence qu'il avait au moment de sa construction, il y a 400 ans. Les touristes du monde entier peuvent désormais admirer de nouveau sa blancheur éclatante. Il a été le château japonais le plus visité l'année dernière. Where are you from? Seattle, Washington. Amazing Himeji Castle. Amazing! Fascinating history. Aucun doute, Himeji est devenu très populaire. Il est temps de voir cela de plus près. Et これ近くに行くとまたより一層この高さが感じられますね。En effet, sa taille surprend dès le premier regard. Avec 31 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, son énorme donjon impressionne tous les visiteurs. Il est entouré d'un système complexe de murailles et de douves qui fait que la superficie totale de l'ensemble équivaut à 5 fois celle du stade du Tokyo Dome. De plus, la plupart des pierres qui le constituent encore aujourd'hui datent de sa construction, il y a 400 ans.
Son apparence très proche de ses origines en font un précieux héritage. C'est pour cette raison qu'il a été le tout premier site classé patrimoine mondial au Japon. Il y a une saison pendant laquelle le château revêt sa plus belle apparence, le printemps. Les fleurs d'un millier de cerisiers viennent alors lui prêter leur couleur. Un guide local nous a menés vers l'un des meilleurs points de vue sur le château et ses cerisiers. C'est sur cette pente, située au centre de l'enceinte, que l'on peut admirer le château entouré de fleurs de cerisier. Le donjon se cache derrière la muraille qui constitue sa défense. Il est imprenable tout en étant magnifié par la couleur tendre des cerisiers. Cette vue capture l'essence de la beauté du château de Himeji. Le site s'est doté récemment d'une application gratuite à destination des visiteurs. Il suffit de passer son smartphone aux endroits spécifiés pour qu'elle déclenche une interaction. Ici, ce sont des soldats en armure qui apparaissent. À partir de ces images, on comprend que les trous dans les murs étaient utilisés pour tirer au fusil ou à l'arc. Cette application permet de découvrir différentes informations un peu partout dans le château. Grâce à elle, il devient possible d'apprendre de nombreux détails sur son histoire de manière ludique. Irina se dirige maintenant vers le donjon, le symbole du château. Notre intrépide reporter ne croit pas si bien dire. Le chemin est pensé à dessein pour être un labyrinthe. Il s'agit de l'un des stratagèmes destinés à ralentir l'ennemi en cas d'attaque. Il a fallu 30 minutes pour traverser l'enceinte à pied. Voici enfin l'intérieur du donjon, dont les travaux se sont terminés récemment. Après avoir gravi un escalier très raide, le dernier étage. La vue s'étend sur toute la ville de Himeji. Du haut de sa colline, le château domine les alentours depuis 400 ans. Mais depuis sa construction, il a été exposé en de multiples occasions à un grand danger, le feu. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale furent sans aucun doute le plus grand péril auquel le château eut à faire face. Le 3 juillet 1945, la ville de Himeji fut transformée en un véritable champ de flammes. On déplora officiellement 173 victimes ce jour-là. Mais le jour suivant, debout au milieu des ruines, le château était toujours intact. Cette photo montre le château pendant la guerre. En regardant bien, on peut distinguer un filet noir recouvrant le donjon. Il s'agit d'une sorte de camouflage que les habitants ont inventé pour éviter que le château ne soit visé par les bombardements. Notamment grâce aux efforts de la population de Himeji, le pire a pu être évité, alors que la plupart des autres châteaux du Japon ont été détruits.
Ces événements lui ont valu un surnom, le Château Miraculé. C'est ainsi qu'Irina a réellement saisi l'essence du château de Himeji. Mais la région de Hyogo n'a pas encore dévoilé toutes ses surprises. Juste après, Irina se rend dans les thermes les plus anciens du Japon. Et maintenant, une nouvelle venant tout droit du département de Tottori. Un concours international de manga sera organisé pendant l'édition 2016 de Japan Expo en juillet. Le thème de ce concours est « Héros et héroïnes ». Le concours est divisé en deux catégories, manga en une seule case et manga en quatre cases. Le grand vainqueur remportera un voyage au Japon. Retrouvez tous les détails sur les réseaux sociaux. Le périple d'Irina à Hyogo se poursuit. Le deuxième site qui constitue une première au Japon se trouve à 1h30 de train de la gare de Himeji. C'est à proximité de Kobe, au pied des monts Rokko, que se cachent les thermes d'Arima. Cette grande station thermale de Hyogo accueille chaque année 1 million de visiteurs. Dans la ville, on peut voir ça et là des bouches expulsées de la vapeur. Ces thermes constituent une autre première au Japon. Dans ces rues, les boutiques centenaires s'alignent. Rien de mieux pour se plonger dans une atmosphère chargée d'histoire. Après un léger goûter composé de galettes de riz locales, Irina continue son chemin. Voici le Gokurakuji. La légende dit que ce temple a été bâti il y a 1400 ans par Shotoku Taishi. C'est à la même époque que les thermes d'Arima ont commencé à être utilisés. C'est dans l'un des plus anciens écrits japonais qu'on en retrouve la trace. Le Nihon Shoki raconte comment l'empereur venait s'y baigner à l'ère Asuka. D'après ce témoignage historique, les sources d'Arima auraient été les premiers thermes du Japon. Le Gokurakuji nous apprend également qu'un autre personnage historique aimait à venir se baigner ici. Toyotomi Hideyoshi no ikou ga hakken sare. Toyotomi Hideyoshi no nandaro ofuro ga dette kita toka soui koto desu ka ne? En effet, on aurait retrouvé des vestiges de la salle de bain de Toyotomi Hideyoshi, surnommé le Taiko. C'était un grand seigneur de guerre au XVIe siècle. Il est dit qu'il vivait dans l'opulence. Mais à quoi ressemblaient les bains luxueux qu'il utilisait? Ces vestiges ont été découverts par hasard dans un bâtiment détruit par le grand séisme de Kobe, il y a une vingtaine d'années. Ils sont totalement différents des bains d'aujourd'hui. C'est l'époque de l'époque. C'est l'époque de l'époque.
大光さんの頃の、お風呂のしたるものは蒸し風呂やったんですよね。蒸し風呂ってサウナみたいなことですか？あ、その通りです。Dans ces termes, l'eau jaillit à 98 degrés, une très haute température. Hideyoshi affectionnait donc tout particulièrement la vapeur qui se dégageait naturellement de la source. À l'époque, on en profitait en se tenant couché ainsi. Et voici le bain à ciel ouvert qui a été découvert au même moment. Hideyoshi l'aurait utilisé pour s'y baigner. En de nombreuses occasions, Hideyoshi est ainsi venu à Harima délasser son corps et son esprit. Il y composa les vers suivants. Lune ou soleil, Harima source de vie. Si baigner guérit les maladies, comme tombent les pétales transis. Hideyoshi décrit dans ce poème le bonheur de se baigner à Harima, de jour comme de nuit, pour y guérir ses maux. Ces termes ancrés dans l'histoire ont été appréciés par des générations de grands seigneurs, dont Hideyoshi. Mais cet endroit est exceptionnel pour d'autres raisons également. Pour résoudre cette énigme, Erina n'a pas froid aux yeux et se rend dans cet hôtel qui contient, dans l'établissement même, une source chaude. Erina revêt son yukata et se dirige aussitôt vers les bains. Le panorama qui l'attend dans cette salle de bain est à couper le souffle. Les thermes d'Harima sont souvent appelés les sources d'or. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que l'eau a une couleur naturellement dorée. La seconde, ce sont ses nombreux effets bénéfiques. C'est l'une des rares sources à contenir 7 des 9 éléments guérisseurs reconnus par le ministère de l'Environnement. Cette eau porte bien son surnom. Mais d'où vient sa couleur dorée? En réalité, l'eau tout juste sortie de sa source est transparente. Mais sa couleur change avec le temps. C'est sa riche teneur en fer qui cause ce changement. En s'oxydant au contact de l'air, c'est cet élément qui donnera à l'eau sa teinte dorée. L'eau de source d'Harima contient 1,4 fois plus de sel que l'eau de mer. Ce sel forme une pellicule sur la peau qui conserve très bien la chaleur. La source ne se trouve pourtant pas à proximité de la mer. Pourquoi son eau contient-elle autant de sel et de fer ? この塩自体は 海の方から、やってきまして、地球のプレート活動で地下 60km のマントルまで潜り込んでいきまして。L'eau d'Harima est née du mouvement des plaques tectoniques. Il y a 6 millions d'années, l'eau de mer a traversé les sols jusqu'à atteindre le manteau, où elle a été réchauffée par sa chaleur, puis propulsée pour refaire surface. Ici, dans cet hôtel, il est possible de faire une expérience unique qui tire parti de ces caractéristiques de l'eau d'Harima. Si on filtre l'eau de source dorée... Le fer ainsi retiré, l'eau de source redevient transparente. En la laissant sur le feu pendant 25 minutes,
le sel fait alors son apparition sous forme de cristaux. Ce sel est en réalité tout à fait comestible. Nous l'avons d'ailleurs goûté le soir même au dîner. La majorité des ingrédients proviennent de la région. Et alors qu'Irina savoure les plats typiques de Hyogo, on lui présente un peu de sel qu'elle a fabriqué à partir de l'eau de source. Ce sel se marierait exceptionnellement bien avec des tempura de fruits de mer. エリナ a pu visiter le château de Himeji et les thermes d'Arima, deux sites historiques de Hyogo. Ce voyage empreint d'histoire s'est concentré sur deux sites qui furent, à leur manière, des premières au Japon. Chacun peut trouver ainsi sa manière de découvrir le Japon pour la première fois. 入浴した時はもちろん、飲用すれば胃腸、便秘、貧血などにも効果のあるという有馬温泉。古くから多くの湯治客でにぎわっていたのも頷けますね。La Foire internationale de la beauté s'est tenue en mars à Bologne, en Italie. Cet événement a rassemblé des acheteurs du monde entier. Cette année, un peigne très à la mode a retenu leur attention. Voici Omotesando, à Tokyo. C'est l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Ce salon de coiffure est fréquenté par des jeunes gens raffinés. Le grand ennemi du cheveu, l'électricité statique. Elle est générée par le frottement entre le plastique et les cheveux. La composition très spéciale de cet objet permet de démêler les cheveux d'une simple caresse, sans forcer. Afin de réduire les frottements avec les cheveux, il a été conçu selon une méthode peu conventionnelle. Il s'agit d'une méthode de chromage utilisée dans le monde automobile. Pour les voitures de luxe, le polissage des chromes est une technique très pointue. La même technologie a été employée ici. Ce peigne de styliste 100% japonais sera offert à 3 téléspectateurs d'Esprit Japon. Pour ceux qui sont intéressés, à vos réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, direction la région d'Ibaraki pour y découvrir le bleu époustouflant des champs de Nemophila. Un paysage aussi superbe qu'éphémère. Puis nous parlerons du natto de Mito, une saveur typiquement japonaise.